Bonjour les marmottes. Aujourd'hui, on va lire un livre à propos d'une dentiste. Est-ce que vous êtes allé chez le dentiste? Est-ce qu'ils ont regardé tes dents? Ouh, voyons qu'est-ce qui va se passer. Visite chez le dentiste. Arun et son grand frère Nimesh se brossent les dents tous les matins et tous les soirs. Arun aime la super brosse à dents de Nimesh. Elle ressemble à une vraie fusée. Maman, j'aimerais avoir une brosse de dents comme celle de Nimesh. Nimesh a eu son brosse à dents quand il est allé chez le dentiste. Quand vais-je aller chez le dentiste? Demande Arun. Tu as rendez-vous avec la docteure Robin jeudi. Le jeudi, Arun et sa maman vont à la clinique dentaire. Elle s'assoit dans la salle d'attente avec les autres patients. Jenny est venue pour un examen annuel. Madame la Lancette, la secrétaire de l'école, a très mal aux dents. Avez-vous mal aux dents, monsieur Albert? Demande Ara. Non, mais j'ai une carie. La dentiste doit faire un plombage avant qu'elle ne devienne plus grand. Un carie, c'est comme un petit trou dans le dent si on mange beaucoup de sucre. Arun du tard, docteur Robin est prête à te voir. Arun et sa maman entrent dans le bureau de la dentiste. Au centre de la pièce, il y a une grande chaise et une table avec les instruments. Bonjour Arun, entre et assis-toi, dit la dentiste. Je vais utiliser un petit miroir pour compter les dents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je vais regarder si tu as des caries. Pour finir, je vais enlever la plaque dentaire de tes dents du bas. La plaque dentaire est une couche collante de bactéries qui peut faire des trous dans tes dents si tu ne les nettoies pas 2 fois par jour. La dentiste donne un petit verre de liquide rose à Arun pour qu'il se rince la bouche. Et comme ça. Et voilà, c'est fini. Je suis contente, Arun. Tu as des dents et des gencives, ça c'est les gencives ici, la rose, solides et en bonne santé. Laisse-moi te montrer comment bien les nettoyer. La dentiste montre à Arun comment se brosser les dents. Fais des mouvements en rond sur tes dents avec ta brosse. Commence au fond, puis brosse les dents en devant. Et assure-toi de brosser les dessus et le côté arrière de tes dents aussi. La dentiste montre à Arun les affiches qui sont sur le mur. Nettoie tes dents après ton déjeuner et avant d'aller au lit. Ne mange pas trop de bonbons. Ils sont pleins de sucre et c'est mauvais pour tes dents. Ainsi, tes dents et tes gencives seront en bonne santé toujours. Bravo, Arun, tu as gardé ta bouche grande ouverte pendant que je regardais tes dents, dit la dentiste. Elle ouvre son tiroir et t'en sort une brosse à dents rouge vif en forme de fusée. Super! S'exclame Arun. C'est la même que Nimesh, mais en rouge. Maintenant, quand il se brosse les dents, Arun suit les conseils de sa dentiste. Il fait des mouvements en ronde avec sa brosse. Il commence en fond, puis brosse les dents devant. Et pour finir, il brosse le dessus et la côté arrière des dents.
Les dents sont toujours propres et bien lisses. Elles brillent et sont bien blanches aussi. Ouh, est-ce que tu as brossé les dents aujourd'hui? Va les brosser vite et au revoir!